Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Ratchet & Clank Rift Apart. Alors on va commencer par quoi? Ah, ça part. Ok, pas mal. Ah, raté. Ouais, y'a quoi là? Tiens, va essayer ça. Ok, c'est pas terrible. Y'a pas un truc derrière moi? Où est-ce que t'es passé là? C'est quoi ça? Ok, j'avais même pas vu ça. Alors petit détail quand même. J'ai sur cette deuxième vidéo, j'ai le patch de là, que je n'avais pas sur le sur la première. Je sais pas ce que ça change juste, mais... Oui, on va tout fouiller. On va tout fouiller. Ah. T'as sûr, le nouveau. Merci. Chut. C'est quoi, ça? Un genre de poignée de main secrète? Hey! Et j'en fais quoi, au juste? Ah, qu'est-ce qu'il m'a donné, là? Okay, teste le sprint de fantôme. Un sprint fantôme? Oh, c'est un dash en fait. Saute et fais un sprint fantôme. Le corps s'occupera du reste. Ah, c'est pas mal ça. Ok. T'es où? Ok. Bah alors, t'abandonnes déjà le bleu? Et pourquoi est-ce que toi? Ah, peut-être pas. Oh, j'ai vu qu'il y avait des trucs sur les côtés. Allez encore plus loin, enchaîne un saut et le sprint fantôme. Un saut et le sprint fantôme. Oh, très classe. J'ai besoin d'une navette royale pour trouver mon ami. Tu sais où en trouver une? Oh putain, j'ai raté. J'ai complètement raté l'affaire. Tu veux aller encore plus loin? Enchaîne un saut et le sprint fantôme. Alors c'est très bizarre, c'était fait de. Navette royale pour trouver mon ami. Tu sais où en trouver une? Chut, on n'est pas en sécurité ici. Mais oh, qu'est-ce que je fais? Oh là là, je fais nappe là. Là, je fais nappe. Plus loin, enchaîne un saut et le sprint fantôme. Bon, en fait, sur le mur, il n'y a pas besoin de faire le sprint fantôme. Là. J'ai besoin d'une navette royale pour trouver mon ami. Tu sais où en trouver une? Chut, on n'est pas en sécurité ici. Reste près de moi. Voilà, c'était pas compliqué. Attends, mec, tu prends pas ça là? Moi, je prends. Hein. Du raretarium. Alors, je sais pas comment je m'en sers de ce truc là. Armure vide. Ah, faut remplir des objectifs. Ah, c'est pas mal ça. Des boulons. L'arme. Gadget. Par contre. Je sais pas à quoi ça sert. Tu peux me trouver une navette royale ou pas? Je ne sais pas à quoi sert le raretarium pour l'instant. Attends. Je crois qu'on me l'a dit en plus. L'autre Lombax, elle est partie où? Sur Sargasso. Elle y retourne toujours après.
Sargasso. Je te propose un marché. Tu vois ce dirigeable ? Si tu m'aides à en prendre le contrôle, je t'aiderai à entrer dans la tour Nefarius. C'est le seul endroit de la ville où tu trouveras une navette royale. Qu'est-ce qu'il a de spécial, ce dirigeable ? Contente-toi de grimper sur ce toit. Je vais chercher mon matos. Je te rejoins là-haut. D'accord. Le toit ? Comment je fais pour l'atteindre, ce toit ? Bah... Tiens bon, mon vieux. Je suis incroyablement fier de faire partie du glorieux projet de notre empereur. C'est quoi ça? Et lui, c'est qui lui? T'as dit quoi? C'est juste des tables en fait. Ah. J'ai eu les deux. Oh, ça va bon là. Oh, tu fous de ma gueule? Attends, c'est quoi la blague? Attends, je suis où là? Du coup, je suis où? Ok. Ouais. Ok. J'ai pas du tout compris comment aller sur l'autre. Hein. Attends, ah! Oh putain! Je me suis trompé de touche. J'ai fait carré. Moi c'est bon, j'ai compris, il y a des L1 en fait. Putain. N'importe quoi là. L1. Attends. Hop. C'est le genre d'endroit, tu sais, tu passes vite et puis en fait, fallait pas. Ah, fais voir. Prends ton temps, chouchou. Santé, munitions. Ah. D'accord. Oh, c'est quoi ça? Attends. Ouais. Alors attends, parce que du coup, elle... Améliorer son arsenal est un jeu d'enfant, quand on a du raritanium, bien sûr. J'en ai pas assez ? Je comprends pas trop le menu, là.
Nuko. Ok. Tu vois, pourquoi se contenter d'une arme standard quand on peut la rendre exceptionnelle? Ok, je suis d'accord. Ok. Sache que c'est toujours un excellent investissement d'optimiser ses armes. Ouais, mais non. Non. Je vais plutôt... Amélioration en approche. Ah, c'est ça que je voudrais, moi. Je peux pas, ok. Je pense qu'il faut l'entourer. Voilà. Ça c'est pas mal. C'est débloqué, trésor. Ça c'est pas mal. Alors. Il me reste que deux de toute façon. Bon, je prends ça direct. La quantité, c'est vraiment important, je pense. Merci de ta vie. Merci pour votre aide. Agence. Attends, j'ai peut-être des soucis. Chance, là-haut. Achat. Cette conversation n'a jamais eu lieu. Ça, j'ai pas assez. Je te ferai savoir dès que j'en aurai reçu. Ça, 5000. Ok. C'est pas mal. Ok. Allez. Bon, bah, c'est pas mal. Jusqu'ici, tu m'impressionnes. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Où est-ce que tu es? Tu t'es occupé de ma navette? C'est trop beau. Tu l'auras, ta navette. T'inquiète, j'ai juste besoin d'un... Donc du coup, 8, 18... Ah ouais, c'est bien. Ça, il va falloir qu'on en ait plus. Et ça aussi. Coup de main pour une dernière. Le centre de bien-être des Pharios. Oh là là, tu vas détourner l'attention de ces soldats pendant que je pirate le dirigeable de propagande des Pharios pour envoyer un message inoubliable à la ville. Reçu. Donc, grosse bombe, c'est pas mal. Oui, ça les autres, c'est plus simple. Attends. Ah, il y a des trucs là. Rien de fait. Citoyens de Nefarious City, ici la voix de la résistance. Attends. Ici, hop. La voix de la vérité. Et la vérité, c'est qu'il faut qu'on trouve vous et moi. La résistance. Merde. Le nombre croissant de citoyens qui voilà. Ont par-dessus la tête de notre dictature diabolique. Ok. Ok. Ok, ça c'est efficace. Ah, je suis tombé. Oh putain. Non, j'ai fait de la daube. Non, non, non. Citoyens de Nefarious City. Ici, ça, la bien. Voix de la résistance. Ici, la voix de la vérité. Et la vérité, c'est qu'il faut qu'on cause, vous et moi. La résistance. Non, c'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air pas mal. Alors après, c'est des petites bedasses. Je vais me mettre en comme ça. Il l'a pris, putain. Ok, ça... Oh là
Pourquoi ça ralentit? Ah merde. Bon, moi. What? C'est quoi? Ok, c'est cool. Ils sont où les autres là? Ils sont toujours en bas? Ils sont en train de me chercher ou quoi? Oh putain! Ils m'ont trouvé! Ouais, y'en a un derrière! Oh, ça a un peu paniqué là, mais ça va, ça va, ça va. Ok. Attention. Merde. Ah. Ok. Attends. Ok. Parce qu'il y avait beaucoup de ça. Ok, il n'y a pas des munitions quelque part. Hein. J'ai l'impression que... Les actes valent bien plus que les mots. Il y a plus grand monde là. Bon, on s'en est sorti. Ah, il y avait des munitions ici. Ok. Waouh, où est-ce que t'as appris? Wow. On dirait que j'ai touché un point sensible. Bon, un marché, c'est un marché. Ça, c'est Glitch. Elle t'aidera à monter dans la navette privée de l'Empereur qui va vers la tour. La console d'accès est dans la grande statue de Nefarius, en plein cœur de la ville. Okay. Branche-la, et elle s'occupera du reste. Ça marche. Attends, qu'est-ce que tu fais? Je vais détruire ce monde complètement pourri de l'intérieur. D'accord. Ok. Stylé. Bordel. Bon courage, mon frère. Bon, là, il y a un verrou. Comment je suis censé me rendre au bazar d'ici? Je refais le tour vite fait en étant plus moins stress. J'ai bien vu qu'il y avait un truc, donc je suppose qu'il n'y a que ça à faire. Je m'imaginais que ce grand coboulon m'aiderait à retourner au bazar. Alors, il est où mon boulon là? Attends, hop là, j'ai vu un truc là. Pas laisser l'XP hein. Alors le boulon. Ah, les fameux rails de Ratchet & Clank. Tout ce qu'il me reste à faire, ouh, ça va vite, c'est me rendre à la statue, utiliser Glitch, choper une navette et trouver Clank sur Sargasson. T'inquiète, j'arrive mon pote. Tiens bon encore un peu. Je sais pas si je dois sauter à des moments là. J'en sais rien en fait. Il y avait peut-être... Il y avait peut-être des trucs à faire en fait. Est-ce que j'ai les 5000? Elle est où elle déjà? Elle est ici. Je peux pas. J'ai pas les 5000. Ok, ok. Alors c'est où le... Objectif? Ok. Ce serait sur ma droite. Ce serait par ici. C'est plutôt ça. Ah bah il est là le truc. Ok. Ah,
c'est forcément la console d'accès. Ça marche. Ok. Interdit de doubler dans la file d'attente. Mais. Où est-ce que tu sors? T'es obligé de se taper. Aïe 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 aïe. What? Je suis vraiment ravi que tu aies survécu au voyage, mais tu vas mourir. Putain merde, tu sais ce qu'il est. Tu ne peux pas m'arrêter. Putain mais arrête. Benji. Attends. Ah merde. Il faudrait de la life. Et peut-être aussi des munitions. Ok. Je t'assure que je fais vraiment tout mon possible pour te réduire en. T'es au dos. Oh putain. Ok. Maintenant c'est plus ou moins arrivé. Ok, ça marche. J'avais pas prévu ça. Il a pris cher. Voilà. Cool. Je peux enfin connecter Glitch à cette console. Tu vas me. Pas de la life, y'a pas un truc. Attends, j'ai même pas un petit bonus là. Pour avoir buté ce mec. Ah. Nickel. Alors, je fais lequel, celui-là? Salut, tu dois être Glitch. Ok. Désolé de t'avoir secoué dans tous les sens. Disons que la situation m'échappe un peu. C'est ouf les détails de Ratchet. C'est. Merci. Ratchet? Hein? Waouh! Qu'est-ce que c'est ça? Il me suffit sans doute de supprimer quelques fichiers et ensuite il sera tranquille. Ah d'accord. En fait, il remplace Clank. Je suis censé faire quoi avec ça? Supprimer des fichiers, là, dis. Non, rien à voir. Ok, donc il remplace. Ah. J'ai plusieurs canons? Non, j'en ai qu'un. C'est quoi? Ok, j'ai L2 en fait. Bien, bien, bien. Dans ce cas, autant que j'essaie d'éliminer le reste. Ok, reçu. C'est quoi cette capsule? Ça provient d'un virus? Ok, ça ne sert à rien. Ok, bon allez, on va essayer d'avancer là. J'ai vu une cible là-bas. J'adore les jeux quand il y a des gameplays différents. Ah ouais, c'est tout. En tout cas, ça y est. L'ordinateur est réparé. D'accord. Tu vas enfin pouvoir prendre cette navette, Ratchet.
Parfait. Ok, c'est intéressant. Un petit changement de gameplay. Un petit peu trop court, je trouve. J'aurais pu en mettre un petit peu plus. Ça m'aurait... Ça m'aurait pas déplu. C'est parti. Oh putain. Des pièges mortels, des robots de guerre, 5 canons destructeurs de planètes et un système de surveillance couvrant la ville entière. Si seulement ce maudit dimensionnateur fonctionnait encore. Non. Hein? J'adore. Ah. Attrapez-les tout de suite. J'adore la voix. Oh. J'arrive. Non. Oh putain, c'est trop beau. Mot de passe, s'il vous plaît. Hein? Pas besoin de mot de passe. Je suis l'empereur et si je te réduisais plutôt en miettes. Non. Je vais seul en bas. Ah putain. Excellent. Sargasso. On va changer d'univers, ça va être cool. Ah ouais. Et donc, tu dis que ce dimensionnateur a été volé par le docteur Nefarius et qu'il s'en est servi pour t'amener ici. Et maintenant, tu dois retrouver ton ami qui se trouve être miraculeusement un Lombax pour sauver l'univers. Et rentrer chez nous. Tu penses que je suis assez idiote pour gober ça ? Regarde, je veux bien croire à l'existence de ton docteur Nefarius, mais ça, c'est forcément un coup de l'empereur. Au secours ! Nous sommes attaqués ! C'est... quelqu'un ! Mork ? Qu'est-ce qui se passe ? Oh non ! Accroche-toi ! Oh, attention ! Je fais toujours attention, hein ? Mais où m'emmènes-tu exactement ? Eh ben, je comptais te conduire dans ma planque, mais d'abord, je dois sauver mes amis à l'usine de gélatonium. Excellent. Ok, bah, nouvel univers. Incroyable. Ce qui m'inquiète, c'est que dans le premier, on n'a trouvé aucun boulon doré, là. Vous devez être bien planqué, vous. Oh. Trop beau. J'ai entendu du bruit. Oh! Oh ouais. Bah ok. Ils rigolent zéro avec leur langue. Ça fait 15 mètres de long, je m'y attendais pas, j'étais surpris. Il y a quoi là? Je vais pas m'y aventurer. C'est quoi? Oh putain. Attends, il y a tout qui bouge, c'est incroyable. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Vous sortez. Putain. L'environnement est incroyable, les fumées. Attention. C'est vraiment très très beau. Un astropode juste au-dessus de la planque. Un ça faisait longtemps que j'étais pas venu aussi loin.
Il y a un énorme marécage acide entre nous et l'usine de gélatonium des morques. Ces scarabées n'ont aucun problème avec l'acidité du marécage. Les scarabées ? Ouais, c'est pour ça que je vais en chevaucher un. Ok, faut chevaucher un truc. Attends, il y a plein de trucs, je vais d'abord aller voir ça. Les gars ! Ratchet, est-ce que tu me reçois ? Oh non, mon communicateur doit être en panne. Bien sûr. Putain, mais vous êtes combien là, les gars ? Les morques sont dans leur usine de gélatonium. Ah, le dash. Dash qui a pas marché. C'est quoi ce truc? Il y a un truc violet là, j'ai envie d'aller voir ce que c'est. Ok. Putain, ils sortent d'où là? Ok. Ah yes. Niveau supplémentaire. Bon, ça ralentit tout à chaque fois. Un petit peu bizarre. C'est quoi ça? Oh. Ça a peut-être pas dû. Merde. Ok, on se barre. Ok, je reste pas là. Oh, bien vu. Je ne peux pas faire affaire dans ces conditions. Qu'est-ce qu'il y a? Ah! C'est calme là, tu veux pas? Là, c'est bon? Ah, ouais, c'est bon. On croit pas que ça soit le bordel autour d'elle. J'avais pas ça sur mon compte la dernière fois. Oh, c'est parce que j'y ai ajouté notre ami Thomas. Ah d'accord. Ok. Donc on peut choper ça. Je vois que t'as assez pour t'offrir cette beauté. Ouais. J'avoue, c'est pas cher la recharge par contre. En amélioration. Bien que tu as toutes les cellules et le raritanium nécessaire. Contre la quantité maximum, ça j'adore. On va essayer d'entourer un peu tout ça. C'est oh fait. Regardez-moi ça. Ça, on va essayer de. Pas ouf, mais j'aime bien en même temps. Ah, ça on n'a rien fait. Ça peut être pas mal. Ouais, bon, ouais. Voilà. N'oublie pas de parler de moi à tes amis. Donc ça, attends, la section rapide. Attends, ah non, attends. D'accord, j'avais pas vu ça. Ça, si je le mets là, ok. Wouah, c'est génial! Attends, tac. Non, tac. Comme ça, je peux. Non. Ouais. Ah ouais, génial. Oh putain, trop bien. Bon, ils sont où les trucs? Ils se sont barrés. Que ça. C'est excellent la sélection rapide là. Bon, fallait pas les titiller. Du coup, ils sont toujours énervés ou bien? Non. Oh putain. Ah, ils sont toujours énervés. Hein. Ok, c'est un peu chaud. Hein. Ah ouais. Tu
t'en es débarrassé avec brio. Ok, il y a du monde là-bas. Je vais pouvoir aller là-bas. Tu vas où, ce scarabée ? Cette grotte semble abriter une sorte de distorsion dimensionnelle. Putain, je suis con, moi. Attends, hop. C'est trop bien. Oh là là, il y a tellement de vie. Et voilà le dernier scarabée qui filme dans cette espèce de faille. Intéressant. L1 pour voir la faille. Ton gant doit aussi intégrer une longe dimensionnelle. Yes. Alors, monsieur, je sais tout. C'est quoi cet endroit ? Je dirais une poche dimensionnelle. Peut-être un des symptômes de la destruction causée par le dimensionnateur. D'où est-ce que tu sors tout ça ? C'est un méchant ou c'est un gentil ? C'est le truc que je pourchasse, non ? Le robot a tout fait des morques. Il D'accord. a dû entrer dans la faille sans faire attention. Là, le scarabée. Ah, je l'ai vu. Il y a plein de caisses non, sur non, plein d'îles. Ne te cache pas. Tape bah, fait sur peur. Le nid pour attirer son attention. Ok. C'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Attends, y'a que là-haut? C'est la faille. Tenue de combat. Oh yes! Oh, c'est excellent. C'est quoi? C'est quoi que j'ai gagné? Ah. Ok. Ok. Bah c'est cool. J'essaie de voir si je peux pas capter les trucs là. Il y a des caisses partout. Là j'ai l'impression que j'ai vu un truc. Là c'est quoi? C'est bizarre là-bas. Comment je remonte dessus là? Il est où le truc? Ah. Faut taper sur ça. Ok. Ah, attends. C'est quoi par là? Ça a l'air chelou par là. Ah, il n'y a pas de carte. Donc on sait pas trop ce qu'on a visité. Ça, c'est par contre, j'aime pas trop. Il y avait des caisses. Il y a des caisses, je suis pas en fou, je vais les péter. Bon, j'ai vu qu'il y a un chemin ici. C'est ce truc-là qui m'interpelle. Bon, là, ça a l'air d'être un peu vide. Hein. Ça a l'air d'être quand même super méga vide. Il y a une vraie sensation dans la manette. Hein. Une vraie sensation dans la manette. Ça, c'est vraiment cool qu'il l'ait utilisé. Bon, il n'y a rien en vrai. Donc, on va aller là. Tour. Putain. En vrai, j'ai toujours l'impression qu'il y a. Merde. C'est la boulette là. J'ai fait une connerie là. Merde. Ah putain, j'ai fait la boulette. Ok, j'ai fait la boulette, c'est moi. Bon. Du coup, on va aller directement ici. Hein. Ah, il est passé où l'autre?
Il est là. Maintenant, éloignons-nous de tout cet acide. Ok. Fonce, Ménard, conduis-nous au mort. Pardon. Ok. Attention. Ok. Ok, tout, tout, tout. Ok. Stop, 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 stop. J'ai sauté, j'ai sauté, c'est bon, c'est bon. Voilà calme. L'usine de gélatonium. Yes. On a traqué le Lobax et son mini-robot à travers les dimensions. Alors on va pas se laisser avoir par des boules de poils. Alors je te donne 9 secondes et demie pour nous dire où les trouver. Hein? Hey, attendez un peu. Non, trop marrant. Ils sont à la recherche de Ratchet. Je t'ai dit la vérité. Ah, c'est vrai que je me suis pas mis. Ah, attendez, faut que je règle ça. Moi. Ok, alors. J'ai réglé le problème. Ça, c'est. Ça, c'est. Hyper puissant quoi. D'où est-ce qu'ils sortent, c'est honoré. Ils ont dû être aussi aspirés dans le vortex dimensionnel. Ah, ça c'est plus dur. Boum. Ça y a un truc. C'est quoi? D'accord. Il est où là? Les raccourcis, c'est trop bien. T'as cru quoi toi? Ils ont cru quoi eux? Les raccourcis pour les armes, c'est trop bien. Quand on a su que c'est Ah, je les adore. Mort. Finalement, on dirait que c'est toi qui nous a sauvé la bise. Attends, où sont les autres? Bah, il y a plein de morques coincés dans ce truc bizarre là. D'accord. Aucune idée de ce que c'est. En tout cas, ça n'arrête pas de grossir. Oh, entre ça et notre nouveau voisin là-haut, c'est pas franchement la joie. Oh là là, les sensations manettes sont incroyables. Pas de soucis, je vais régler ça. Oh, histoire de vous occuper en mon absence. J'ai trouvé ça chez Urki. Morgue va enfin pouvoir réparer son vaisseau depuis le temps. Chez Urki? Oh, ces pirates ne t'ont pas mené la vie dure, j'espère. Juste un peu. Tu pourras le donner toi-même à Morgue une fois que tu l'auras sorti de ce gros machin violet. Je les adore, ils sont trop marrants. Ah, il y a l'autre là. Ok, on va essayer de ramasser la thune. Ok, il n'y avait rien ici. Attends, c'est quoi ça? Bon, c'est bizarre ce truc. Ok. Ouais, c'est bizarre. À mon avis, ça servira plus tard. Prochain arrêt? Qui est là? Salut! Toi, t'es un sacré gros gringard! Attends. J'espère que tu as assez de munitions. Ouais. Non. Ah.
Oh, 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 j'ai bugué là. Pourquoi je suis resté coincé là? Ah ok, j'en ai encore. Il est presque mort. Boum. Yes. Y'a quoi là? Bon, je vais me débarrasser des autres là. Ah. Par contre ça m'arrange pas qu'il ait ça comme... Pourquoi ça tire pas? Ok. Je ne détecte plus aucun... Ah. Je les ai tous dégommé. Bon attends parce qu'il y avait plein de choses là. Oh oh, ça c'est vu. Attends. Non. Ouais attends, parce qu'il y a la faille, il y a tout là les gars. Je peux pas être partout. Hein. L'objectif c'est quoi? L'objectif c'est la faille, on est d'accord. Je les ai. Non, ça m'étonnerait. Oh, putain, mais il y a combien d'armes? On va recharger? Non. On va s'y aller. Passe-leur le bonjour de Madame Zurko. What? Mais attends, mais... Piston rafale, on l'a pas fait? Oh. Quelle erreur. On va essayer d'entourer. J'aurais pas assez. Ah, tant pis. Ok, bon, on va rentrer là-dedans. Ah, ça, c'est ça. Bon. Pas quelque chose par ici. Belle cachette là. Bon, ils vont bien planquer un truc par ici, c'est pas possible. Ils se seraient pas faire ils sont pas fait chier à faire ça. Attends, c'est. Ah, y a ça là. Ok, déjà ça va nous servir. Parce qu'on va pouvoir finaliser. Désolé, je ne suis pas sûr. Ah, elle m'a fait peur, elle est con. Ah, il y a un truc là. Oh. Voilà qui nous sera utile. Ah, c'est notre premier. T'as comment elle m'a fait peur. C'est incroyable, on lui a rien demandé. Comment je retourne là-bas? Il n'y a pas un pendant ce truc là? Ah! Par contre, ça c'est moins cool. Ah, c'est bon. Parfait! Bah écoutez, notre premier boulon. Ah, j'ai cru voir du bleu. Il y a du bleu, clairement. C'est quoi? Ah bah non, c'est le petit robot là. Ok, bon, on a fait le tour. Attends, du coup. Non. Je me suis dit ça. J'ai l'impression que ça va être une espèce de point central ici. Yes. Alors là, ça va sacrément déménager. Yes. Nickel. Bon, allez, on rentre là-dedans. Bon, allez, on a un peu de temps. Ok. Défense d'entrée. Compris. Pourrais-je y jeter un œil? Allez. J'ai une certaine expérience des anomalies dimensionnelles. Je... D'accord. Alors on m'a dit que c'était un des mini-jeux un peu à la Lemmings. Ouais, voilà, il y a des petits machins. Salutations, bienvenue. Et comment es-tu entré ici? Où sommes-nous exactement? Ici. Oh, tu l'ignores. Eh bien, je l'ignore aussi. Je crois que cet endroit se trouve entre les dimensions. C'est peut-être rien. Ou alors, c'est une fissure anthropique cataclysmique qui va bientôt réduire l'univers en une bouillie informe.
Le temps le dira. Oh. Oh non. Eh bien, je m'appelle Clank. Si je peux vous être utile. D'accord, Clank. Moi, je suis le prophète cosmique omniscient du secteur interdimensionnel 2255 phase Oméga. Mais tu peux m'appeler Gary. Ah, voilà Clank, robot de guerre réformé, partenaire du Lombax, héros reconnu. Oh, ça c'est la classe. Oh, un ami de mon père, je vois. Votre père? Tu pourrais bien être celui que j'attendais. Acceptes-tu de m'aider à réparer les dimensions? Vous savez comment réparer les dimensions? Et pourquoi y a-t-il toutes ces copies de moi ici? Ce sont tes possibilités, la clé pour réparer cette anomalie. Mais d'abord, ramasse cette sphère là-bas. C'est une sphère de légèreté. Elle peut réduire la gravité de tous les objets qu'elle touche. Il semble que tes possibilités soient ce qui empêche l'anomalie de s'effondrer. Elle te ressemble, car c'est ainsi que tu interprètes la dimensionnalité. D'accord. Et, comme tu peux le voir, elles sont égarées. Bah pourquoi si ça... Si tu viens à les guider jusqu'au métaterminal là-bas, tu commenceras à réparer l'anomalie. Mais pourquoi ça marche pas? Attends, je comprends pas là. Attends, parce que je comprends rien. D'accord, bon. Maintenant, entre dans le méta-terminal et tu ne seras plus très loin de réparer cette anomalie dimensionnelle. Allez, c'est parti. Je crois que les choses commencent à prendre du sens. En termes de dimension. Ah, une sphère de vitesse pour aider à la mobilité. À mon avis, une vitesse accrue devrait venir à bout de cet obstacle. Vous aussi vivez sur Sargasso, Gary? Sur Savalie, en fait. Je mène mes études dans les archives. C'est véritablement la plus grande source de savoir dimensionnel que je connais. Pas compris. Ah, il fait un Naruto Run. Excellent. Cet appareil pourra peut-être rediriger mes possibilités. Ouais. Il doit y avoir un moyen de l'activer. Ah. Je peux pas la récupérer là parce que je pense que... sont tout de suite plus léger. Donc il y en a deux. Ça c'est laquelle que j'ai là. Ça c'est la vitesse. J'ai plus la sphère de légèreté. Donc je pense qu'il faut prendre de la vitesse ou de la légèreté. Attends. Légèreté, tu montes et tu prends la vitesse après. Ouais, je vais faire ça. Ouais, sauf que je vais peut-être pas pouvoir. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. Je sais pas. C'est peut-être l'inverse, je pense. Je me demande si une vitesse accrue aiderait mes possibilités à franchir. Ouais, c'est l'inverse. Donc là, la rouge. Et là, la verte. Ok, en route en run. C'est parti. Tchidaki. C'est vraiment du Tetris. Tu sembles avoir un talent inné, Clank. Disons que je suis prudemment optimiste. C'est pas mal, c'est pas mal.
J'ai bien conscience que j'apprends quelque chose en élucidant ces énigmes, mais je ne saurais expliquer de quoi il s'agit. Les mots viendront lorsque tu seras prêt. Pour l'instant, mène tes possibilités jusqu'au dernier méta-terminal. Et sans vouloir te stresser, des tas de choses dépendent de toi. Non mais t'es sérieux? Pas le temps là. Pas le temps de... Tu peux le poser nulle part ce truc. Ah si, là. Attends. Si okay. Je répare cette anomalie, tous les dégâts causés dans cette dimension seront-ils réparés également? Attends. Oh non, les anomalies se répandent trop vite pour ça. Je crains qu'un cataclysme dimensionnel soit déjà en marche. Et notre seule chance de l'arrêter, c'est justement ce qui l'a causé. Le dimensionnateur? Tout juste! Mais si réparer les anomalies t'aide à en apprendre davantage sur la... Comment je récupère ma... Tu devrais bientôt en savoir assez pour nous sauver! Ah! Espérons. Je suis perplexe. Je ne sais pas si je serai capable de résoudre toutes ces énigmes. Ok. Pourquoi dis-tu cela? Il y a bien longtemps que je n'ai plus accompli d'actes héroïques. Il y a une autre boule là-bas. Et étant donné tout ce qui s'est passé avec le dimensionnateur, j'ai de quoi être inquiet. En période de grand stress, c'est-à-dire à chaque jour de ma vie, je pense qu'il vaut mieux aborder les problèmes un par un. Se concentrer sur ce qui se présente. La route run, là. Très sympa, je pensais pas que j'étais le vide. Donc j'ai deux bombes. Ah non, il a pris le verre là. Ah. Faut que je le garde. Donc ensuite. La vitesse. Et le... La légèreté après. Ok, et j'ouvre ici. Normalement, ça devrait être bon. Ça y est, Claude. Voilà. Tu as réussi à réparer l'anomalie. Nous avons fait un peu plus. Vers la prévention du cataclysme dimensionnel. Nickel. Et bah nous on va s'arrêter là. Et là je lui dis, écoute Mork, toi Mork et Mork, vous allez bloquer cette limonade avant... Ils s'appellent tous Mork encore. Ils s'appellent tous Mork, je les adore. Comment t'as fait ça? Je... n'en suis pas très sûr. Oh Rivette, comment ça va ma grande? Regardez qui voilà. Ah je les adore. Tu vas jamais croire tout ce qui m'est arrivé. Ma mission à Nefarious City est complètement partie en vrille. J'ai détruit mon vaisseau et puis... Fais ce que t'as à faire et laisse-moi m'occuper de ça. Enfin, si tu m'as apporté la pièce que j'ai demandée... Ce vieux tas de boue sera bientôt comme neuf. Je baisse le pont et ensuite je t'emmène dans ma planque. Ok. Bah, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, bah, vous me lâchez un gros pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut tout le monde.